Alors, Java, bon, on a déjà vu en Kotlin, c'était quoi les objets, machin et tout, mais on va revoir. Donc, on va revoir l'exemple qui donne quelqu'un qui essaie d'imaginer des objets. Hop. Donc, il va imaginer, voilà, l'objet est là. Square, donc c'est un carré. Carré, il a quoi? Donc, il a comme fonction une rotation. Play sound, ok. Ok, il y a ça, il y a deux méthodes. Après, il y a ce qu'on appelle, hop, un cercle. Pareil, rotate. Play sound aussi. Ok. Hop. Triangle. Et donc, il a. Rotate donc font méthode play sound ok et je peux piger c'est quoi son truc d'amoeba bon c'est peut-être une figure hein. Je sais pas c'est quoi amoeba rotate et play sound ok. Alors, donc du coup, l'idée c'est de faire une ce qu'on appelle une classe qui s'appelle Shape. Qui a la méthode rotate et la méthode playSound. Ah, l'idée, voilà, c'est de l'appeler maintenant la super classe. Du coup, on va recréer toutes ces petites classes là, mais sauf que là, hop. Voilà, donc l'idée, c'est de 3. 4. Hop. Donc voilà, square, circle, triangle, amoeba. Et là, donc voilà, donc là, ça va être ce qu'on appelle des subclasses. Donc des sous-classes. Subclasses. Donc maintenant, comme c'est des sous-classes, elles vont hérité naturellement des deux méthodes rotate et playSound. On va les retrouver dans leur classe. Okay. Donc du coup la super classe c'est Shape. Voilà. Ah, et du coup, il y a un truc spécifique avec ce truc amoeba là, si on l'a mis en noir, en plus je l'ai mis en noir sans faire exprès, c'est que lui, il va réécrire les deux méthodes. Parce que la méthode, elle est spécifique. Lui, il a besoin des méthodes rotate et playSound, mais en hériter simplement, ce ne sera pas suffisant. Enfin, qu'il réécrive le code. Donc, il va réécrire rotate, bah, voilà. Donc, du coup, ce qu'on appelle l'override. Ok. Voilà pour le début en Java. Donc, voilà, en Java, maintenant les objets, voilà, c'est ça. L'objet square, l'objet circle, triangle. Les objets, ils ont des méthodes, ils ont des propriétés aussi. Et là, on voit qu'il y a ce qu'on appelle une super classe. Après, on a des classes qui héritent de la super classe. Qui hérite naturellement des méthodes et ça peut arriver que une classe qui une sous-classe qui hérite elle a besoin de réécrire les méthodes de la super classe qui s'appelle l'override.